Bonjour à tous, je suis donc Natacha Knittel, psychologue à Fos dans le 95. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour vous apporter quelques informations et des outils sur comment aider votre enfant à accueillir et gérer ses émotions. Alors pour cela, donc nous allons dans un premier temps voir ce qu'est une émotion, car pour les gérer, il faut déjà donc les connaître et les reconnaître. Et ensuite, je parlerai de différents outils que vous pourrez mettre en place avec vos enfants à la maison. Commençons donc par qu'est-ce qu'une émotion ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, il y a une sensation. La sensation, c'est une impression ressentie grâce aux cinq sens. Ça va envoyer une information à notre cerveau. De la sensation naît souvent un état d'âme qui transporte, influence, bouleverse celui qui perçoit, et naît alors l'émotion. Donc par exemple, je m'apprête à traverser sur un passage piéton, j'entends une voiture qui arrive très très vite, et là je vais sentir quelque chose que j'ai déjà eu, que je connais, qui est du stress. Et donc ça va amener une action qui va être de se remettre sur le trottoir. Parce que l'émotion justement, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous fait bouger. Une émotion, c'est un peu comme un réflexe. On parle de gestion des émotions, mais finalement, on pourrait presque dire que c'est un abus de langage. Parce que l'émotion, on ne peut pas vraiment la gérer. Ce qu'on va gérer, c'est le sentiment qui arrive après. Mais l'émotion, c'est quelque chose un petit peu comme donc, un réflexe. L'émotion, elle n'est pas raisonnée et elle ne dure pas généralement plus de 2 minutes. Elle doit être accueillie et écoutée pour nous éclairer dans nos jugements et nous guider dans nos actions. Les émotions, elles sont universelles. L'émotion, elle permet de communiquer un message afin que l'on agisse. Et les émotions, elles peuvent avoir des intensités différentes. Et ça, c'est selon notre personnalité, selon les différentes expériences qu'on a eues jusqu'à présent. Le sentiment, lui, il dure et il dépend de nos pensées. On peut gérer nos sentiments. On ressent physiquement une émotion, donc quelques secondes ou minutes après l'élément déclencheur. Par contre, on perçoit un sentiment jusqu'à des années après le déclencheur. Toute émotion est éphémère, elle s'épuise naturellement. Ce qui n'est pas le cas du sentiment, qui peut parfois durer toute une vie. Alors il y a une chose très importante à savoir dès maintenant, c'est que le cerveau des enfants et des adolescents, il n'est pas aussi développé que celui des adultes. C'est pourquoi les enfants ne peuvent pas gérer les émotions comme nous. Donc on ne peut pas demander à un enfant de gérer les émotions comme les adultes. Il y a plusieurs études qui ont été faites et qui montrent qu'en fait, le cerveau arrive à maturité qu'à l'âge de 25 ans. Les émotions, elles sont ni négatives ni positives. Elles sont. Par contre, on va leur donner une tonalité qui est agréable ou désagréable. Moi, je vais surtout me concentrer sur les 4 émotions primaires, donc qui sont la joie, la tristesse, la colère et la peur. Donc voilà, il y en a d'autres, mais ça c'est vraiment les 4 émotions primaires sur lesquelles on va se concentrer aujourd'hui dans cette vidéo. Les émotions, elles nous aident à identifier nos besoins et à les satisfaire. C'est leur non-satisfaction qui va déclencher une émotion. C'est donc la cause qu'il est important de traiter. Les émotions sont les conséquences. Les besoins de tout être humain sont le besoin de sécurité, le besoin de stimulation, le besoin affectif ou social, le besoin d'estime et de reconnaissance, le besoin d'autonomie et le besoin de sens, de cohérence. Et donc, en lien avec ces besoins, donc, on a les émotions. Donc, la peur, elle vient nous alerter sur un besoin de protection, de se sentir en sécurité. La colère, elle est en lien avec un besoin de faire respecter son territoire, de ne pas franchir nos limites. La joie, elle aide à créer du lien social, elle amène donc un besoin de partager avec les siens. Et la tristesse est en lien avec un besoin d'attachement et de réconfort. Les émotions, elles sont indispensables à la prise de décision. Elles sont contagieuses. Par exemple, quand on voit une vidéo de bébé qui rigole, généralement, on va rire aussi. Parce que le fait d'extérioriser, de verbaliser notre émotion, va amener aussi de l'émotion à l'autre. C'est en ça que les émotions sont contagieuses. Donc pour résumer, au départ on a une sensation,
qui amène une émotion, qui peut amener donc un sentiment. Quatre émotions primaires, donc la joie, la colère, la tristesse et la peur, qui sont associées à des expressions faciales universelles. Et donc les émotions, elles servent à identifier nos besoins et à les satisfaire. L'émotion, elle ne dure pas, on ne peut pas la contrôler, c'est très important de l'accueillir. Et ce qu'on peut gérer, donc, c'est nos sentiments qui, eux, durent et dépendent de nos pensées. Donc dans un premier temps, il est important d'accueillir l'émotion et ensuite donc, de raisonner, comprendre et agir. Alors, comment accueillir les émotions ? Donc dans un premier temps, ce qui est vraiment très important, c'est de ne pas juger son émotion et celle des autres. Parce que donc comme je l'ai dit juste avant, l'émotion c'est vraiment comme un réflexe. Donc voilà, on ne peut pas la contrôler à ce moment-là et c'est vraiment important de ne pas juger. Donc par exemple, voilà, un enfant, on marche avec notre enfant, il y a un chien qui aboie très fort et notre enfant voilà, montre, exprime de la peur. Des fois le parent va lui dire « mais n'aie pas peur, il faut pas avoir peur ». Le problème c'est que bah, du coup l'enfant ça lui donne l'impression qu'il n'a pas le droit d'avoir cette émotion. Sauf que bah, c'est comme ça, il la ressent, elle est là. Donc ça va amener pour lui peut-être une culpabilité ou un sentiment voilà, désagréable qui peut faire qu'il va essayer de refouler cette émotion. Et le problème c'est que bah, nier une émotion ça peut être dangereux car finalement elle peut ressurgir plus tard avec plus d'intensité. C'est ça va faire ce que moi j'appelle un peu l'effet cocotte minute, c'est-à-dire qu'il va garder, ça va monter en pression et puis à un moment donné, bah, petit bouchon, la cocotte minute voilà, qui va partir, donc il va exploser. Donc voilà, vraiment ça c'est une première chose qui est extrêmement importante, c'est que faut garder en tête que bah, chaque personne a des émotions différentes, donc dans une même situation on peut avoir des émotions différentes et que l'émotion on peut rien faire d'autre que l'accueillir, donc c'est vraiment important d'accueillir notamment donc les émotions de votre enfant. L'accueil et la reconnaissance des émotions c'est vraiment ce qui va permettre de renforcer l'estime de soi et la confiance en soi. Et donc voilà, c'est important de ne pas porter de jugement, être au maximum dans l'accueil pour ensuite dans un deuxième temps pouvoir trouver des solutions ensemble. Alors, il y a le modèle OSBD qui peut nous aider dans cet accueil des émotions. Donc, le modèle OSBD, c'est celui voilà, qui est juste ici. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la première étape, c'est le O, c'est observer. Et donc là, vraiment, voilà, c'est on observe, sans jugement, juste de l'observation, sans évaluer, sans juger. Ensuite, le S, on dit son sentiment. Et on va dire son sentiment en disant « je ». C'est important, on va dire « je ». Je ressens telle chose. Et ça, c'est quelque chose de, voilà, qui est valable, que ce soit avec des enfants, entre adultes, etc. Où souvent, voilà, il vaut mieux dire « j'ai besoin de telle chose » plutôt que dire bah, « tu n'as pas fait telle chose ». Le « tu » est vécu comme une attaque, peut être violent pour la personne qui le reçoit. Et souvent, bah, quand on se sent attaqué, qu'est-ce qu'on fait ? On contre-attaque. Et alors que voilà, en utilisant le « je », là on se donne plus de chances d'être entendu par rapport donc aux besoins qu'on a à ce moment-là. Ensuite le « B », donc c'est exprimer son besoin. Et voilà, pour l'instant, donc sans parler d'action, sans agir, vraiment juste bah, « j'exprime un besoin ». Et ensuite le « D », demander sans exiger. Donc là on va demander bah voilà, de faire une action pour pouvoir combler le besoin donc à un moment donné qui n'est plus comblé et qui nous a amené donc cette conséquence qui est l'émotion. Alors donc comment aider l'enfant à connaître ses émotions? Parce que comme je vous l'ai dit, bah, pour pouvoir gérer donc ses émotions, sentiments, il faut d'abord pouvoir les connaître. Alors, il y a différents outils qui existent. Pour les petits, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de partir d'images, de choses voilà, très visuelles. Alors, pour ça, il y a plein de petits outils. Donc, par exemple, il y a voilà, des cartes avec voilà, différentes expressions. Donc, de présenter ces différentes cartes aux enfants et de lui demander de les trier selon l'émotion à laquelle ça appartient. J'avais fait également voilà, des petits monstres comme ça
pour ceux qui connaissent la couleur des émotions dont on parlera après. Il me manque la peur, voilà, j'ai pas le matériel encore pour le faire, mais ça va venir. Donc voilà, ça c'est des petites choses pour aider donc, à connaître les émotions. Pareil, des petites images, voilà, comme celle-là. Et voilà, ça c'est un visage où il peut bouger différentes choses pour pouvoir peut-être bah, exprimer voilà, ce que lui va ressentir. Alors ça, on peut le faire aussi sous forme de jeu, de dire bah voilà, quand on a les sourcils froncés, quand on a la bouche qui descend un peu, bah à ton avis, c'est quelle émotion? Qu'est-ce que la personne ressent à ce moment-là? Donc ce qui va lui permettre bah, d'identifier ses propres émotions et puis identifier celles des autres. Parce que bah tiens, quand je vois que maman elle a les sourcils comme ça et puis la bouche qui tombe, bah, c'est que peut-être elle est pas très contente à ce moment-là. Alors il y a des choses aussi voilà, comme ça, donc la météo des émotions. Donc c'est pouvoir bah, demander à l'enfant comment il se sent, quelle météo il a à l'intérieur de lui. Est-ce que voilà, c'est arc-en-ciel, il est heureux, est-ce qu'il est triste, qu'il y a de la pluie, des nuages, de bonne humeur, le soleil, hop, voilà, un peu contrarié, boudé avec le soleil, les nuages. Voilà, donc avec les plus petits, il ne faut pas hésiter à leur demander de pointer bah, voilà, l'image dans laquelle, enfin l'émotion qu'ils peuvent ressentir. Pour voilà, s'ils n'ont pas toujours les mots pour les exprimer, voilà, de pouvoir les pointer. Alors il y a des livres aussi que je vais vous présenter. Donc déjà pour les plus petits. Alors quand je dis les plus petits, ça peut être dès le plus jeune âge. Ceux-là, ils sont bien adaptés jusqu'à à peu près 3 ans, 3-4 ans. Alors il y a Aujourd'hui je suis. Donc c'est des poissons qui ont voilà, différentes émotions. Donc pareil, on peut, voilà, quand on lit le livre aux enfants, on peut faire les émotions en même temps. Voilà, donc de dire le poisson, oh, regarde, il est surpris, il est en colère. Et voilà, on peut faire tout le livre comme ça. Ensuite, donc, il y a mes petites émotions. Donc celui-là, voilà, avec il est assez bien pour les petits parce que bah, ils peuvent changer l'émotion. Donc là, voilà, on a le panda qui est joyeux et puis qui est triste, et donc sur chaque image, voilà, donc là par exemple je vous montre la première, c'est le ballon de petit hippo s'envole, sniff, petit hippo est triste, puis on voit donc l'hippopotame qui pleure. Donc voilà, après il y a plein d'émotions différentes. Cette collection là aussi de l'école des loisirs, voilà, qui est assez sympa. Donc là j'ai le livre en colère et le livre qui a peur. Il y en a d'autres qui existent, il y a le livre qui dort, il y a le livre qui dit non, le livre amoureux, voilà. Mais je me suis concentrée là donc sur les deux là qui parlent des émotions. Donc pareil, ils sont bien parce que vraiment il n'y a pas beaucoup de dialogue, enfin de choses à lire. Et puis il y a des actions. On va demander à l'enfant, enfin le livre en fait va parler à l'enfant, va demander à l'enfant de l'aider à compter jusque 10 pour calmer sa colère. Donc ça donne en même temps des petites techniques pour bah, calmer la colère, la peur. Voilà, suis-moi. Donc avec son doigt, bah, il va pouvoir suivre voilà, les émotions. Donc là par exemple bah, voilà, le cochon qui est triste, voilà, la grenouille qui est en colère, donc on retrouve là les sourcils froncés. Voilà. Et donc celui-là, content fâché, donc pareil c'est une petite histoire qui montre un garçon donc qui a différentes émotions. Et ce qui est assez sympa dans celui-là, c'est que à la fin, en fait il y a des petites pièces magnétiques pour faire le visage du petit garçon, donc demander à votre enfant bah, lui comment il se sent et peut-être bah, de mettre les pièces qui correspondent sur le visage à l'émotion qu'il ressent à tel ou tel moment. Voilà, donc ça c'est pour les plus petits. Ensuite pour les plus grands, il y a Gaston la licorne. Alors là les plus grands, ça va être à partir de 3-4 ans à peu près, et ça peut aller voilà, jusqu'à une dizaine d'années sans problème.
Donc Gaston la licorne, mes émotions. Donc voilà, là ça va être différentes émotions. Donc là par exemple je suis triste, donc il va y avoir une description de l'émotion. Et puis ensuite des petits exercices, donc notamment des exercices de respiration, de sophrologie pour calmer quand on a telle ou telle émotion. Le loup qui a apprivoisé ses émotions, donc ça voilà, celui-là les enfants généralement l'aiment bien parce qu'ils connaissent le loup parce qu'il y a plein d'autres d'autres histoires du loup. Et donc le loup il est traversé par plein d'émotions différentes et ses copains donc pareil lui amènent plein de techniques différentes pour pouvoir gérer ses émotions. Un que j'aime beaucoup c'est le grand imagier Montessori des émotions. Donc ce que j'aime bien dans celui-là c'est que c'est un petit garçon qui va visiter la planète des émotions. Et donc je vais vous montrer pour chaque émotion, donc il part avec son petit sac dans lequel il a plein de matériel donc pour gérer ses émotions, et en fait pour chaque émotion il y a une carte d'identité de l'émotion avec les déclencheurs de l'émotion, ce qui se passe dans le corps quand on a telle et telle émotion, ce qui nous arrive de faire ou de dire quand on a telle émotion, et un thermomètre de l'émotion avec différents termes adaptés pour décrire l'intensité de l'émotion. Donc ça, voilà, je trouve ça intéressant parce que ça permet d'aborder cette idée d'intensité de l'émotion, d'avoir, de développer le vocabulaire en lien avec l'émotion, et puis après, par la suite, de pouvoir trouver les outils en fonction de l'intensité, parce qu'on va pas pouvoir utiliser les mêmes outils si l'enfant vous dit « bah moi, là, ma colère, elle est à 10 » ou « elle est à 2 ». À 10, on va pas pouvoir expliquer vraiment ce qu'on ressent. À 10, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pour faire, voilà, redescendre un petit peu l'émotion. Et puis par contre, quand on est à 2, là, on peut expliquer ce qui se passe, on peut écrire, on peut mettre des mots sur ce qu'on a ressenti. Donc pour chaque émotion, voilà, il y a cette carte d'identité avec ce thermomètre. Et pour finir, donc vraiment sur les livres qui présentent les émotions, la couleur des émotions, que beaucoup d'enfants connaissent parce qu'ils l'ont souvent à l'école, ils le voient à l'école, et qui est très joli, parce que voilà, c'est un livre comme ça, pop-up, avec donc le monstre des émotions qui est tout barbouillé, et avec une petite fille qui va l'aider donc à mettre de l'ordre dans ses émotions. Et donc voilà, ça fait un petit descriptif de chaque émotion. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous le lisez avec votre enfant, de lui dire, bah regarde là, voilà, le monstre il ressent de la joie, bah toi à quel moment t'as ressenti de la joie, à quel moment t'as ressenti la tristesse, et puis qu'est-ce que t'as fait pour calmer ta tristesse, pour qu'il voit que bah, en fait voilà, il est traversé lui aussi par plein d'émotions tout le temps, et qu'il a déjà des outils qu'il utilise peut-être même sans s'en rendre compte parfois. Voilà. Voilà un petit peu les différentes activités, les différents livres qui permettent un petit peu de découvrir les émotions, et ce qui va permettre donc avec votre enfant de connaître les émotions, d'avoir le vocabulaire pour pouvoir les exprimer. Il y a un film aussi qui est très bien, le film Vice Versa, qui permet de découvrir aussi les émotions, de voir qu'on a tous des émotions, d'apprendre la complémentarité des émotions, et de voir que vraiment chaque émotion elle est importante, parce que voilà, la peur c'est ce qui va nous servir à nous protéger, c'est ce qui nous maintient en vie pour nous protéger du danger. Voilà, ce qui est important aussi au niveau de la verbalisation, c'est que vous en tant que parent, surtout n'hésitez pas à verbaliser vos propres émotions pour que votre enfant voit que papa, maman ils ont aussi telle et telle émotion, donc il n'y a pas de honte à avoir telle émotion, qu'ils puissent apprendre du vocabulaire en entendant vous ce que vous décrivez, qu'il apprenne à décoder certaines émotions, parce que papa quand il a le visage comme ça, c'est qu'il a un peu peur, c'est qu'il est un peu stressé, c'est ce qui va l'aider à comprendre les émotions et à mettre lui-même des mots donc sur ses émotions. Et donc pour tout ça, ce qui est important, c'est de prendre du temps. De prendre du temps pour se recentrer sur soi, pour savoir ce qu'on ressent.
Et voilà, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, c'est important voilà, régulièrement de prendre du temps pour soi. Alors, avec les enfants, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est dans la chambre ou voilà, dans un endroit dans la maison, de mettre une petite couverture, un oreiller, dire bah voilà, c'est l'île aux émotions. Donc là, c'est un endroit où tu pourras aller tous les jours pendant 5 minutes, 10 minutes, pour un petit peu bah, faire le point sur bah, qu'est-ce que tu ressens, comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu ressens là dans ton corps. Et puis de temps en temps, bah, tu peux inviter des gens dans ton île aux émotions. Tu peux inviter papa ou maman pour pouvoir dire bah là j'ai telle chose qui m'arrive et je comprends pas ce que c'est ou voilà j'arrive pas à dépasser ça. Donc voilà, de prendre du temps, de faire voilà, des boîtes à émotions où bah, on va mettre, l'enfant va dessiner, va écrire voilà, ce qu'il a ressenti à certains moments dans la journée, dans la semaine, les mettre dans une boîte, puis on va laisser un peu mijoter, puis on va y revenir au bout de la semaine, on va les lire ensemble pour dire bah. Là, il y a eu telle situation. Bah, aujourd'hui, est-ce que la situation, elle est réglée? Bah, comment t'as fait pour la régler? Elle n'est pas réglée? Bah, quelle solution on peut trouver? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à ça? Et c'est important voilà, d'avoir du coup aussi des moments de... Bah, des moments de calme. Des moments, alors ça peut être pourquoi pas, tester de la méditation aussi avec les enfants. Il y a le livre « Calme et attentif comme une grenouille », que pas mal de personnes aussi connaissent et qui est intéressant. Ça peut être aussi une application style petit bambou, voilà, pour avoir des temps calmes. Et c'est important aussi que les enfants s'ennuient, parce que c'est vrai qu'on a tendance à voilà, vouloir toujours proposer plein d'activités, plein de choses, les stimuler, donc ce qui est très bien à certains moments. Mais c'est important aussi d'avoir des moments où bah voilà, il n'y a rien de spécial qui se passe, peut-être qu'ils s'ennuient. Bah, quand on s'ennuie, c'est là où on prend le temps aussi de réfléchir un petit peu à bah, ce qu'on vit, à ce qu'on pense, et voilà, c'est des moments qui sont aussi très importants. Alors maintenant, donc, comment bah, exprimer voilà, ces émotions et ces sentiments donc voilà, on a vu comment les exprimer peut-être pour soi, et voir aussi bah, comment les exprimer aux autres. Alors, c'est pour ça que c'est important voilà, d'avoir ces temps calmes dont je parlais, mais aussi des moments d'expression de manière générale. Donc ça peut passer par de l'expression artistique, donc d'avoir par exemple un endroit, une table où il y a bah, à disposition pour l'enfant, alors bien sûr hein, selon l'âge, des feutres, des gommettes, des choses à coller, des... puis il va pouvoir voilà, librement exprimer ce qu'il a envie. Ça peut être bah, bien sûr de l'expression orale, donc il va bah, vous expliquer ce qui s'est passé, donc n'hésitez pas bah, à lui demander comment s'est passée sa journée, comment il va voilà, à certains moments. Ça peut passer par l'écrit, d'écrire voilà, ce qu'il a ressenti, mais également par l'expression corporelle, par le sport par exemple, voilà, bah, dans le sport on peut décharger aussi plein de choses. Donc après bah, voilà, c'est bien d'avoir un petit peu de tout parce que ça apporte des choses différentes. Mais tous ces modes d'expression sont vraiment importants. Et puis voilà, après bah, selon l'âge de l'enfant, selon la personnalité, bah, y en a qui vont privilégier tel mode d'expression ou tel autre. Mais c'est bien qu'il a à sa disposition voilà, tout un panel de modes d'expression différents. Moi ce que j'aime bien aussi c'est d'avoir voilà, dans une chambre par exemple un point de retour au calme où en fait ça va être, alors pareil hein, ça peut être une petite tente, ça peut être simplement bah, une couverture posée au sol avec voilà, du matériel pour verbaliser, calmer ses émotions avec des petites choses, alors du style voilà, une bouteille de retour au calme. Donc ça c'est une petite chose voilà, toute simple à fabriquer hein, avec, voilà, moi j'ai pris une bouteille en verre, on peut en prendre en plastique, peu importe, où on met de l'eau, un petit peu de glycérine et puis des paillettes. La glycérine ça peut être aussi la colle à paillettes, c'est simplement pour que bah, les paillettes tombent plus doucement. Et donc c'est dire bah voilà, tu vas dans ce coin puis tu regardes ta petite bouteille, puis t'attends que bah, il n'y ait plus aucune petite paillette, puis quand il n'y a plus du tout de paillettes, et bah tu peux bouger et refaire autre chose. Mais voilà, il va pouvoir aussi avoir bah, dans ce coin calme un doudou, des petites cartes avec des postures de yoga, voilà, différentes choses pour bah, voilà, décharger quelque chose, pour pouvoir retrouver le calme. Pour les plus grands, ça peut être aussi
Voilà, par exemple, bah, de se dire le vendredi soir, on fait un apéro en famille et puis on se demande comment s'est passée la semaine, on fait des petits points quoi de neuf. Ça peut être d'avoir un point dans la maison avec des tableaux d'expression ou quand on a envie, on va écrire quelque chose sur le tableau, que ce soit une demande, que ce soit une pensée. Tout ça, c'est des boîtes à idées, c'est des idées pour aider à exprimer des émotions et à les échanger. Ça passe aussi par des moments ensemble, donc ça peut être des balades en famille, des jeux de société, pour favoriser des moments d'échange qui vont amener à échanger aussi donc sur les émotions. Et rien que le fait de verbaliser une émotion, de dire là j'éprouve de la tristesse, ça permet déjà d'en réduire l'intensité. Donc ça c'est des choses qui sont importantes de verbaliser. Il ne faut pas hésiter à tester vraiment différents outils, différents modes d'expression, parce que chaque enfant est différent et possède une sensibilité, un fonctionnement différent. Et puis selon la période de sa vie, il va être plus attiré par telle ou telle chose. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à proposer. Puis il y a des choses que vous avez proposées à un moment donné qui peut-être ne marcheront pas et en fait qui vont fonctionner quelques mois, un an après, parce qu'il est dans un moment différent de sa vie. Voilà, donc maintenant on va voir quelques outils vraiment spécifiques pour gérer l'émotion, donc selon l'émotion qui nous traverse. Alors déjà de manière générale, quelque chose que vous pouvez utiliser et amener votre enfant à utiliser, peu importe l'émotion que vous avez, c'est la respiration ventrale. Pour moi, c'est une respiration qui est très intéressante et peu importe l'émotion, parce que ça va permettre de ramener un petit peu du calme. C'est une respiration qui est beaucoup utilisée dans des sports type sophrologie, pilates, parce que ça amène une détente physique corporelle. Mais également dans la musique, pour ceux qui font du chant ou des instruments à vent, parce que ça permet de prendre des grandes respirations, et dans tout ce qui concerne un petit peu gestion du stress, etc. Donc je vais vous montrer la respiration ventrale. Donc on inspire par le nez, on expire par la bouche. Alors naturellement, on respire de là. Ce qui se passe, c'est que souvent, quand on est par exemple un peu stressé, on va respirer de là. On va se bloquer, puis on va se mettre à parler très très vite, on a du mal à reprendre son souffle. Donc pour faire la respiration ventrale, c'est important d'avoir les épaules bien relâchées, détendues. Je vais me mettre debout donc, pour vous montrer. Donc je vous ai dit, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Quand j'inspire, je gonfle le ventre en même temps. Et quand j'expire, je rentre le ventre au maximum. J'inspire. Je gonfle le ventre. J'expire, je le rentre au maximum. Alors, c'est une respiration qui peut demander un petit peu d'entraînement, parce qu'en fait, on a tendance à faire l'inverse, souvent. N'hésitez pas à le faire régulièrement, elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet d'obtenir une détente physique, parce que comme c'est une respiration qui demande un petit peu d'attention, concentration, on va mettre son attention sur son ventre et plus sur ce qui nous inquiète ou ce qui nous met en colère. Donc déjà ça permet de décaler un petit peu de se sentir mieux et vraiment donc d'obtenir cette détente corporelle. Donc ça, peu importe l'émotion, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant à utiliser. Maintenant donc on va voir un petit peu spécifiquement pour chaque émotion et je vous propose donc de commencer par la colère. Alors pour la colère, donc c'est des exemples, des idées, y a plein de choses qui existent, après il faut trouver toujours pareil ce qui vous correspond. Donc ce que vous pouvez faire, c'est une boîte aval colère. Donc c'est une petite boîte. Vous allez demander à votre enfant de dessiner, d'écrire, selon l'âge, ce qu'il met en colère. Et puis, il va le mettre dans sa boîte. Et puis, hop, on referme la boîte.
et la colère, elle est avalée. Donc il y a cette idée, bah voilà, il va extérioriser quelque chose, et puis bah après on peut reprendre ce qu'il y a dans la boîte pour pouvoir en rediscuter ensemble, mettre plus de mots sur voilà ce qui s'est passé. Mais rien que le fait de l'écrire, de le dessiner, de gribouiller sur une feuille, bah ça peut permettre déjà de décharger la colère. Ensuite, j'ai des petites cartes. Alors c'est ça, je l'ai trouvé sur un site que je vous conseille vivement qui s'appelle Papa Positive, c'est papapositive.fr, qui est un site où vraiment il y a plein de matériel à disposition pour voilà, gérer les émotions, il y a vraiment plein d'outils. Donc là voilà, c'est un petit jeu de cartes avec des choses qui peuvent calmer la colère. Donc là par exemple on a boire un verre d'eau, souffler sur le volcan de la colère, donc imaginez voilà un volcan et on souffle pour éteindre le feu qui sort du volcan, dire un mot qu'on aime bien, dire le mot qu'on préfère. Enfin, donc il y a vraiment plein de cartes. Donc après pareil, bah vous pouvez déjà dans un moment où ça va bien, dans un moment où il n'y a pas de tension particulière, présenter les cartes à votre enfant, puis dire bah toi à ton avis lesquelles fonctionneraient, lesquelles fonctionneraient pas, et puis bah sur celles qui fonctionnent, voilà, si tu pouvais choisir les 4 préférées, bah tu mettrais lesquelles. Et puis bah dans un moment où effectivement il est en colère, dire mais tu te souviens, on avait parlé des cartes, il y avait les 4 cartes, bah viens on va les tester ensemble. C'est ça, c'est quelque chose aussi d'important. Alors c'est pareil, hein, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais vraiment c'est important d'accompagner votre enfant dans la gestion des émotions. Donc de lui présenter différents outils dans des moments où ça va bien, parce que dans un moment où il est en colère, il ne sera pas réceptif à ce que vous lui présentez à ce moment-là. Et pareil, dans un moment où il est vraiment dans une très forte colère, tout seul, selon l'âge, il aura du mal à investir les différents outils que vous avez vus. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à lui dire, bah tiens, regarde, on va boire un verre d'eau ensemble, on va respirer ensemble, tu me regardes, on fait la respiration ventrale. Voilà, il faut vraiment l'accompagner dans cette idée-là. Là également, donc petit trou de la colère, donc pareil, trouvé sur Papa Positive. Donc bah voilà, il va choisir l'action qui lui convient pour calmer sa colère. Donc là, il y a serrer fort mon doudou, chanter, pleurer, gribouiller, sauter sur place en levant les bras en l'air. Wow, plein de petites idées comme ça pour calmer la colère. Un bond de colère. Donc ça vous pouvez mettre en format géant aussi, hein, là je l'ai fait en petit, mais et c'est marqué donc bond de colère. En cas de crise, froisse ce bond rageusement et lance-le le plus loin possible. Donc pareil, il y a cette idée de bah voilà, on froisse, on jette, voilà, parce que la colère c'est vraiment une énergie qui nous traverse et qu'on a besoin à un moment donné décharger. D'ailleurs je vais vous présenter quelque chose voilà, que j'ai fabriqué aussi, qui est le coussin de la colère. Alors selon les sites voilà, sur lesquels vous irez, le coussin de la colère il n'est pas toujours très bien vu, il n'est pas toujours apprécié. Il y a des professionnels ou des parents qui vont dire surtout voilà, n'utilisez pas le coussin de la colère parce que ça peut faire associer, si vous dites à l'enfant bah, il faut taper dans le coussin de la colère, ils vont vous dire bah, ça peut faire associer la colère à de la violence et il faut voilà, surtout pas que ces deux choses soient associées. Donc du coup ils vont dire qu'il faut surtout pas utiliser le coussin de la colère. Moi je serais un petit peu plus nuancée par rapport à ça, parce que si effectivement votre enfant, bah, quand il est en colère, voilà, jamais il tape, il a pas, voilà, vous le sentez pas très tendu avec une énergie qu'il a besoin de décharger, oui, pas d'intérêt effectivement de lui présenter ce coussin. Maintenant, si vous avez un enfant qui a tendance bah, justement à taper parce que bah, il n'arrive plus à se contrôler, je me dis, bah, il vaut mieux qu'il tape dans le coussin de la colère parce que ça veut dire qu'il a ce besoin vraiment de décharger quelque chose. Et si vous lui avez présenté d'autres outils et qu'il ne les a pas investis, c'est-à-dire bah, il a ce besoin-là, bah, à un moment donné, je vais lui permettre d'extérioriser ce besoin-là sans se faire du mal, sans faire du mal aux autres. Donc, je vais lui permettre de taper sur ce coussin de la colère. Après le coussin de la colère, voilà, on peut aussi le piétiner, on peut aussi le serrer fort, voilà. Mais effectivement, pour les enfants qui voilà, n'ont jamais tapé, voilà, c'est plus intéressant par exemple de sauter sur un trampoline. Parce que bah, voilà, cette idée de on libère une tension, quelque chose, donc s'ils accèdent à ça, bah, effectivement c'est une très bonne chose. Alors, pareil, un livre voilà, que j'aime beaucoup, et Le Lapin m'a écouté, ça parle de la frustration. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est un très beau livre que je vous conseille, qui est intéressant.
grosse colère qui, pareil, explique ce qui se passe en nous quand on est en colère avec cette grosse masse là qui bouillonne et qui finit par sortir en un gros monstre. Gros monstre qui met le bazar dans toute la chambre et qu'il faut rétrécir et puis mettre dans une boîte pour plus qu'il vienne nous embêter. Et également pour finir sur la colère, les petites histoires Fiyosa, qui est sur les colères, où il y a trois petites histoires qui prennent des situations de la vie quotidienne qui peut arriver à tout le monde et pareil avec des outils qui peuvent être intéressants, qui peuvent aider. Les ateliers Fiyosa, il y en a plusieurs, vous voyez, moi je les aime bien, je les ai tous. Il y en a un sur la jalousie, sur l'autorité et les règles, et sur la confiance et l'estime de soi. Et c'est vrai que c'est des livres qui sont plutôt bien faits également. Donc pour la colère, dernière petite chose aussi pour la colère aussi. Vous pouvez prendre, pour les enfants qui ont tendance à crier par exemple, vous pouvez prendre une boîte, alors style les boîtes de lait pour bébé, ça fonctionne bien. Vous faites un petit trou dans le couvercle et puis c'est que la boîte a crié. Donc on va prendre la boîte et puis on va crier dedans. Donc pareil, ça permet de décharger une énergie. En même temps, ça reste dans la boîte, donc c'est moins dérangeant. Par contre, il faut le cadrer pour pas que ce soit utilisé... n'importe comment, n'importe quand, c'est vraiment quand il y a de la colère pour décharger la colère. Voilà donc pour la colère, qui est finalement l'émotion qui est souvent... c'est pour ça d'ailleurs, c'est celle je pense où j'ai le plus d'outils, parce que c'est l'émotion souvent que les parents acceptent le moins chez les enfants, mais d'ailleurs qu'on accepte le moins chez les adultes aussi, parce que souvent justement elle est associée à une forme de violence, à une agressivité, donc on a tendance à vouloir absolument la refouler, et le problème c'est que plus on la refoule et plus elle va ressortir de manière assez massive, avec l'effet cocotte minute dont je parlais tout à l'heure. Donc vraiment c'est intéressant de pouvoir trouver des outils pour la faire sortir, mais qui ne nous fasse pas du mal à nous, qui fasse pas du mal aux autres. Je vous propose de continuer donc avec la peur. Donc pour la peur, petit livre fait par une sophrologue. Le livre de mes émotions, la peur. Alors il y a par rapport à ce livre là, pareil, c'est toute une collection, donc il y en a pour chaque émotion, moi j'ai que celui de la peur mais il y en a plein d'autres, et il y en a un qui regroupe toutes les émotions et qui est également intéressant. Le cahier anti-cauchemar, c'est un cahier où l'enfant va pouvoir dessiner ce qui lui fait peur, expliquer ses cauchemars. Donc toujours pareil, cette idée de j'extériorise, je verbalise, parce qu'après ce qui est intéressant c'est de lui faire parler aussi sur ce qu'il a dessiné, ce qu'il a écrit, pour pouvoir en rediscuter ensemble. Ça c'est pareil, même si ça vous semble... peut-être parfois ridicule d'avoir peur d'un monstre ou de je ne sais pas quoi, l'enfant ce qu'il vit, pour lui c'est fort, c'est intense. Ça peut être rassurant de lui dire que on a tous des peurs et que vous aussi quand vous étiez enfant vous avez eu certaines peurs on a des outils justement pour les affronter, pour les gérer. Et pareil, petit jeu de cartes, donc toujours sur papa positive, pour les enfants qui ont peur des monstres, avoir une formule magique qui permet de faire fuir le monstre. Le rétrécisseur qui va permettre de rendre la peur toute petite. Il y en a un, c'est le clown qui marche assez bien, ça va être de dessiner ce qui nous fait peur et puis de rajouter un gros nez rouge, de rajouter des grosses chaussures et puis d'un coup quand il est transformé en clown il nous fait beaucoup moins peur, il est beaucoup moins impressionnant. Donc ça c'est des choses qui peuvent aider pour la peur. Ça peut être aussi des balles anti-stress ou une balle de tennis qu'on va serrer très fort pour mettre toute notre peur dedans pour se donner du courage. Ça peut être aussi toutes des choses qui sont en lien avec la confiance en soi.
Parce que bah, finalement, plus on va avoir confiance en soi, moins on va avoir de peur parce qu'on sait qu'on est capable d'affronter certaines choses. Donc ça peut être bien bah, voilà, de booster un petit peu votre confiance en vous ou la confiance en eux, donc des enfants. Donc pour ça, voilà, ça peut être par exemple dans une boîte à courage, de mettre, voilà, bah, pareil, on dessine, on écrit toutes les petites victoires, toutes les choses voilà, dont on est fier, toutes les choses qu'on a réussi. Et puis bah, quand on a un moment voilà, de peur, d'inquiétude, bah, on va piocher 2-3 petites victoires, puis on va se souvenir que ah mais c'est vrai, j'avais réussi telle chose, j'avais fait telle chose, et voilà, du coup ça fait du bien et ça donne du courage. Puis se rappeler que bah oui, il y a plein de choses, on n'a pas réussi du premier coup. On a dû essayer encore et encore et puis on a fini par y arriver. Donc ça c'est des choses qui peuvent faire du bien. Et donc pour la confiance en soi, voilà, j'ai ça aussi, donc toujours pas positive. Donc voilà, de demander à votre enfant d'évaluer sa confiance en lui, donc est-ce qu'elle est grande, moyenne, petite. Et puis donc voilà, des petites techniques pareil pour reprendre confiance. Donc bah, de se souvenir de quelque chose que j'ai réussi, d'imaginer que je conseille quelqu'un qui bah, lui n'a pas confiance en lui, que j'imagine bah, mon héros préféré à mes côtés, voilà. Donc ça c'est des choses pareil qui permettent de booster un petit peu la confiance en soi. Ensuite donc la tristesse. Donc pour la tristesse, j'ai ici la boîte à douceur. Alors la boîte à douceur, voilà, c'est une boîte dans laquelle bah, voilà, y a des doudous, il y a des petits pompons, il y a du coton, donc voilà, des choses douces, des choses réconfortantes. Ça peut être aussi voilà, avec des mots réconfortants, donc là il y a bisous, il doit y avoir amour, voilà, des mots qui nous font du bien. J'ai mis également un ruban, parce que le ruban, c'est ce qui nous permet de nous souvenir qu'on est en lien, qu'on est en lien avec les autres et que bah on va au bout du ruban, il y a un parent à qui on peut demander conseil, on peut demander de l'aide. Voilà, donc ça nous permet de nous rappeler que bah, on est en lien avec, avec les autres. Également, alors dans. Voilà, c'est pas un ruban là, c'est une pelote de laine. Pourquoi pelote de laine? Alors ça peut être hein, aussi ce côté lien avec l'autre. Et puis aussi se dire que bah, en fait, voilà, la pelote de laine, on va essayer de la démêler. Et puis bah, si on n'arrive pas d'un côté, on va tirer d'un autre côté. Et puis bah, voilà, il y a toujours des solutions pour se sortir des situations. Ça vient voilà, nous rappeler ce point-là. Et qu'on peut toujours réussir finalement à démêler la pelote, même si voilà, elle paraît vraiment très emmêlée et que ça paraît vraiment très compliqué. Dernière petite chose pour la tristesse, donc c'est des petits galets. Alors pareil, ça peut être fait sur des papiers, sur des galets, peu importe, avec des mots réconfortants. Donc là j'ai mis fierté, j'ai mis patience, échange, qu'est-ce qu'on a d'autre, bonheur, voilà, donc amour, famille, calme, voilà, sérénité. Donc pareil, il faut trouver avec l'enfant des mots qui vous correspondent. Donc bah, il va pouvoir voilà, regarder les galets et se souvenir de moments voilà, en lien avec bah, du bonheur, etc. Et si j'ai oublié de vous montrer celui-là, ça c'est un monstre aval souci. Donc un peu dans le même principe hein, que la boîte qui mange la colère, sauf que là bon, on va mettre voilà, nos soucis à l'intérieur. Et donc pareil, après on peut les ressortir pour en parler et trouver des solutions pour se sentir mieux. Voilà. Voilà, donc un petit peu pour toutes les outils pour calmer les émotions. Et puis bah, dernière émotion extrêmement importante, la joie. Alors on se dit bah la joie on n'a pas forcément besoin de la gérer, mais la joie en fait il faut l'entretenir. Et voilà, c'est important de se souvenir des moments. Bah, des moments positifs, des moments de joie. Et voilà, pareil, quelques petites choses par rapport à ça pour entretenir la joie. C'est par exemple les 5 points positifs. Moi, c'est quelque chose que voilà, j'aime bien faire dans des périodes de fond un petit peu difficiles. Bah, on va le faire peut-être tous les jours. Alors, ça peut être quelque chose qu'on va faire le soir avant de se coucher.
Parce que souvent, bah, c'est là où on pense voilà, à des choses pas forcément agréables, c'est là où bah, on a le temps de penser. Donc c'est intéressant de se focaliser vraiment sur les choses positives. Parce que bah, s'endormir avec des choses positives dans la tête, c'est plus facile. Et puis donc l'intérêt c'est de. Voilà, donc le but c'est de trouver 5 petites choses positives qui sont passées dans notre journée. Ça peut être des toutes petites choses. Ça peut être bah, l'odeur du pain en passant devant la boulangerie. Ça peut être le SMS qu'on a reçu de telle personne. Enfin voilà, peu importe. Et l'idée donc c'est de se dire, bah, même si on a une journée pas terrible, bah quand même, on a eu ces 5 choses positives. Et puis ça nous oblige à être plus attentifs aux petites choses du quotidien. Parce que je pense que dans la vie de tout le monde, il y a 5 choses positives dans la journée. Sauf qu'il y a des périodes où on les voit, des périodes où on les voit plus. Donc là ça permet de vraiment remettre l'accent là-dessus. Et puis bah, le lendemain on se dit, oh là, c'est une journée pas terrible aujourd'hui. Ce qui m'avait fait plaisir hier, c'est de manger mon carré de chocolat avec mon café. Et bah, aujourd'hui, je mange mon carré de chocolat avec mon café. On se crée voilà, ces petits plaisirs, ces petits moments positifs. Donc ça peut être intéressant voilà, de le faire le soir avant de se coucher. Mais ça peut être aussi intéressant de le faire par exemple au moment du repas, que ce soit vraiment voilà, un moment d'échange familial. Ce qui va permettre pour les enfants de se dire « Ah bah tiens, mes parents aussi, ils sont traversés par des émotions, ils ont aussi des moments positifs. » Et puis si on dit que, bah, je sais pas, par exemple, « Ah bah moi aujourd'hui ce qui m'a fait plaisir, c'est le jeu de société qu'on a fait ensemble. » Bah l'enfant se rend compte qu'il a un impact en fait, sur qu'il a des actions sur nos émotions et que, bah voilà, en fait, quand... on échange sur telle et telle chose, bah ça fait du bien à tout le monde, donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes aussi à partager. Et ce qu'on peut faire aussi, ça peut être par exemple une fresque de la joie, donc de prendre voilà, une grande feuille où on va dessiner bah, les moments qu'on a aimés, les moments qui nous ont fait du bien. Et puis bah voilà, justement quand on a un moment un peu de tristesse, de bah, on peut aller regarder cette fresque et puis se souvenir, ah oui c'est vrai, tiens, il y avait tel moment qu'on avait partagé, et puis bah, cette fresque on va la faire évoluer au fur et à mesure du temps. Voilà, donc un petit peu sur toutes les idées comme ça de, voilà, d'outils que vous pouvez utiliser. Et ces outils, donc, faut les adapter bah, bien évidemment selon l'âge de votre enfant, selon bah, sa sensibilité, comme je disais tout à l'heure, vers quoi il a envie d'aller. Et aussi selon donc, l'intensité de l'émotion. Comme je vous disais tout à l'heure, bah, c'est bien de demander à l'enfant d'évaluer son émotion. Bah t'es où là? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 5? Toujours pareil, sans la juger. Si bah lui il vous dit que oui d'avoir de pas avoir pu manger son bout de chocolat bah en fait ça le met en colère et la colère elle a 10, même si pour vous bah ça vous paraît minime par rapport à autre chose qui s'est passé la veille, bah c'est pas grave, lui il vous dit que oui c'est quelque chose qui a 10 et qui est vraiment très importante. Et donc on va pas utiliser les mêmes outils comme je disais tout à l'heure, donc voilà, faut vraiment adapter selon l'intensité de l'émotion. Il y a beaucoup d'outils que je vous ai présentés que vous pouvez retrouver également dans ce livre qui est l'atelier des émotions. Voilà, donc pareil, qui bah, selon les émotions propose voilà, plein d'outils à mettre en place. Donc là, il y a le jeu des 7 familles des émotions et le... il y en a plusieurs, la fresque par exemple de la joie vient de ce livre, et il y en a plusieurs que je vous ai présentés qui viennent de ce livre que je trouve aussi très, très intéressant. Voilà, alors pour finir, deux petites choses, toujours chez Papa Positive, hein, que j'aime beaucoup. Donc ça, bah voilà, ça peut être affiché sur le frigo. Et puis dire à l'enfant, là voilà, je sens qu'il y a quelque chose, il y a une émotion qui te traverse, bah dis-moi. C'est quelle émotion? Et puis bah, voilà, au niveau de l'intensité, tu es où? Tu la ressens où dans ton corps? Ce qui va nous permettre bah, nous de mieux le comprendre et de l'aider à trouver les outils en fonction. Et pareil, deuxième petit affichage, donc pour voilà, pouvoir réagir bah, dans le calme par rapport à certaines émotions. Donc le premier chose c'est stop, je m'arrête. La deuxième chose c'est bah. J'écoute mon émotion et je vois ce que je ressens dans mon corps, à quel endroit, etc. Je prends le temps de respirer. Donc je vous ai parlé de la respiration ventrale. Après, il y a d'autres respirations qui existent hein, avec de la visualisation. On a parlé du volcan, de la colère. Mais ça peut être souffler sur le bateau pour qu'il avance, souffler sur une montgolfière pour qu'elle s'envole, souffler une bulle de savon. Enfin, voilà, il y a plein d'images. Après, toujours pareil, hein, faut trouver celle qui vous correspond. Et je choisis mon action. Et donc là, il y a des propositions d'action. Donc là, il y a s'éloigner, dire ce que je ressens,
demander ce dont j'ai besoin, demander à une personne d'intervenir, dire que je veux discuter dans le calme et proposer de reporter la discussion. Donc on peut voilà, associer différentes choses, puis selon voilà, ce qu'il va nous dire, on peut associer à différents outils. Voilà pour tout ça. Bah écoutez, j'ai fini donc pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair donc sur les émotions, les vôtres et ceux de vos enfants, et vous a donné quelques outils. N'hésitez surtout pas à faire vos retours, poser des questions, demander des thématiques particulières, parce que si ce format vous plaît, et bien d'autres vidéos pourront être faites par la suite. Voilà, donc en attendant, prenez soin de vous et à bientôt.